Chers chrétiens et amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons nous réjouir, nous entendons Seigneur pour nous adorer, lui. Et en plus, nous avons un privilège pour nous présenter les oracles de Dieu. C'est une grâce que nous n'avons pas mérité. Et à chaque fois que nous avons une chance là, nous disons, mon Dieu, merci pour ça. En nous coupant nous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour grâce et miséricorde envers nous. Pécheurs que nous y sommes, ou prenons loin, et ou mettez-nous, ou faites une petite. Partout côté que nous passons. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Une énième fois encore Seigneur, la mode va utiliser nous comme serviteurs pour capable parler, peur pour capable tendre. Yo pas vinn tendre yon nom, mais yo vinn tendre à travers yon nom et comme ça nom yo capable béni et yo capable repenti de ça que on a fait qui mal et comme ça pour capable procher bon côté ou. Pardonner péché nous et faire une grâce, accepter nous l'autre fois encore. Nous te prions dans le nom précieux de ton fils Jésus, à lui seul la gloire, la magnificence au siècle. Nous, avant de commencer, n'a pas seulement invité ou non, concert que Julien Janvier a pour faire dans l'église de Dieu de la prophétie qui trouvait lui dans Roosevelt, pasteur Étienne a dirigé. Et nous avons invité ou capable d'encourager serviteur Sayo. Nous avons bien Claude Aurélien là ensemble avec nous tous. C'est un série de grands artistes qui ont chanté la gloire de Dieu longtemps de cela. Et c'est seulement pour 10 dollars. Et on a bien chance pour bien Claude Aurélien, Julien Janvier et d'autres artistes qui pourront louer mon Dieu ensemble avec nous après-midi à partir de 7 heures. Jean Pasteur a annoncé le sujet que nous allons entretenir pendant quelques minutes, c'est pourquoi devons-nous éviter le péché, pour qui ça que nous devons quitter le péché. Tu as une bonne raison pour ça, pour qui ça, en pile de fois, il a prié, ou bien il a demandé l'église de suspendre vivre dans le péché. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Pour cela, c'est le péché fait souffrir. Et de maintenant, il dit, nous prenons. Oui, ensemble, en dans message ça, c'est pour éviter pratiquer péché de peur qu'on souffre avant la mort. Péché, défini suivant le dictionnaire biblique, c'est la transgression de la loi. Que nous jouons dans 1 Jean 3, verset 4. Il est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. C'est tout ça qui manquait. Mais qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu, c'est péché. Ici, il y a deux termes dans la loi juridique, ou bien dans la sociologie que vous définissez, c'est crime avec déviance. Différence qui est en déviance avec crime, déviance c'est une violation de une norme sociale. Par exemple, un élève qui pas respecté professeur, ça c'est une déviance. Il y a un monde qui pas respecté monde, son norme sociale que lié t'a dû respecter monde qui pas respecté son déviance. Alors que un crime c'est lors où violer une loi qui établit. Par exemple, il considère un monde criminel lors qu'on stop sign. Lors qu'on lumière rouge, ah ben la police la prend, il considère comme un criminel. Pour ça parce que loi interdit pour pas prendre lumière rouge ici, loi interdit pour pas jamber un stop sans on pas camper complètement. Mais le fait que vous faites, vous considérez comme un criminel. En d'autres termes, ici, vous déterminez les en deux phases. Vous avez la déviance ou bien crime. Déviance, dans c'est l'air ou violer une norme sociale. Alors, crime, non, c'est l'air violer une loi qui est déjà écrite. Côté qu'on aime, qu'on pas de qu'on aime, c'est responsabilité pour chercher qu'on aime loi. Une fois que l'écrit ou violé, vous considérez comme un criminel. Dans tous les deux cas, la Bible même relève le péché. Que le tayon déviance ou bien le tayon crime, li considéré pour la Bible yon péché. L'on pas respecter moun, l'on pas respecter autorité son péché. De même pour yon moun qui adultère li se péché, yon moun qui bay menti li se péché, et yon moun qui commet yon série de infamie que nous ta considéré comme grave, c'est péché que yon yé. Alors en dedans, message nous pour laisser ouais seulement quatre raisons parce que si nous t'apprend pour nous énumérer les raisons qui t'a pour aider à éviter le péché à trop amène à seulement considérer quatre comme ça pour nous capable ouais c'est n'a respecter les que nous gagne devant. Premièrement, c'est péché rend nous susceptibles, suspects, stressés. Deuxièmement, péché empêcher que Dieu réponde avec prière nous. Troisièmement, péché capable entraîner une alliance diabolique ou maléfique. Et quatrièmement, péché a des conséquences à payer, même quand le pardonné. En premier lieu, premier point, nous, qui c'est
péché rend nous suspects. Conscience nous pas en paix les nous péchés. Et c'est ça qui fait que monde qui péché a, il est toujours suspect, il pas qu'attendre tout message. Depuis le temps d'un message, il attend dit ça point à vous isolé. Pour ça parce que le péché, il pas qu'à fin font bagaille hier soir là et puis prédicateur a vienne prêcher lui dire là, c'est prêt à vous résoudre, mais conscience n'est pas en paix. Donc nous pas gain intérêt pour nous pécher parce que l'en péché, nous pas qu'attendre tout message. Mais la conscience au clair pas péché, quel que soit sa prédicateur a dit, c'est amen ou a dit parce que c'est pas avoir la parler. Ou pas qu'on péché ça. Et c'est une raison de faire grand pile monde grand pile prédicateur local qui pas capable prêcher pour qui raison parce que yo dit si yo prêcher mon l'église a dit c'est point qui a voyer sur yo parce que tellement prédicateur local là habitué avec système l'église là mais faut nous dire ça malheur avec un prédicateur t'as pensé comme ça longtemps t'es pensé différemment l'église a traversé son problème ou bien si on essaie de prêcher l'église éviter prêcher sur yo prêcher sur l'autre bagaille non dit pas ça la bible c'est un couillon pharmacie que lié. L'homme malade, docteur a pas prescrit n'importe médicament dans pharmacie ni bon médicament. Mais il prescrit médicament qui marchait avec maladie qu'on gagne. Il en est de même pour un prédicateur, surtout un prédicateur local qui a prêché, il doit qu'on besoin l'église là. C'est normal, si l'église là a traversé un moment de péché ou une difficulté, c'est sous lui pour le prêcher. Parce que même gens l'homme maligne, il a pas caressé maligne. Mais yo mettait alcool là dedans même l'elle fait mal parce que c'est lick pour guérir. Ça t'est arrivé un pasteur qui était fait prendre l'église et puis l'elle observer l'église là, il garder un manquement dans l'église là. Mais c'est premier dimanche il prêchait c'est sur le plaçage. Deuxième dimanche il fait un mois tout sujet là c'est seulement sur plaçage. Mon l'église là commence à plaindre, nous pas qu'après un prédicateur chaque dimanche c'est sur plaçage que la prêcher ça veut dire. Comité l'église obligé de réunir un pasteur, poser la question, ça qui passe, passe. Et pas chaque dimanche, son seul message qu'on prêche, faut que les choses changent. C'est dit, moi prêche le passage parce que moi, la majorité de l'église est toujours dans le passage. Et malgré que je prêche aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui prennent décision de marier. Et tout autant que je suis marié, je toujours prêché sur le passage. Que vous êtes content, vous pas content, parce que c'est ça qui est le problème. Après, ça a changé, je prends l'autre bagaille encore. Peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté l'église là pour aller de l'autre côté. Et là, ils sont arrivés, ils ont entendu le même message là encore. Alors, des pour péché, conscience ou pas qu'à en paix. Alors, je parle avec les gens qui sont chrétiens, avec les gens qui ont servi bon Dieu. Ou toujours stressé en même temps. On regarde l'attitude d'Adam après le péché. Attitude d'Adam après le péché dans Genèse 3, verset 9 à 11. Il y en a qui étaient bons amis, bon Dieu. Quitte qu'on a communiqué avec mon Dieu. Le jour même que Adam péché, Adam n'a pas arrêté pour voir la face de Dieu. Il courit. Et Adam l'a caché pour l'éternel, pour mon Dieu pas voir lui. Mais bon Dieu qui voit dans tout lieu secret, il dit Adam, côté au moins caché. L'éternel m'a dit avec Adam, est-ce qu'on t'a mangé fruit défendu? En d'autres termes, est-ce qu'on péché? Parce que c'est péché seulement pour pouvoir courir loin comme ça. De pour péché, conscience ou pas, hein, en paix. Dans le cas de Judas, dans Matthieu 26, verset 24 à 25, Jésus-Christ a parlé ensemble avec les disciples, il dit, malheur avec Sila qui prend le trahim. Là. Judas, comme c'est le péché, à conscience n'est pas en paix, il courit poser mettre la question, mais est-ce que c'est moi? Tu l'as dit. L'Éternel dit, c'est où qui dit? Alors, nous avons un problème et difficulté, et c'est une raison chrétien, nous devons éviter péché le plus que possible parce que l'un péché nous toujours suspect. Nous toujours penser ça à veine, il n'y a pas les consciences, nous n'est pas en paix et nous toujours besoin de cacher. Les gens nous stressent en même temps et illucide. Attitude de Pierre dans Matthieu 26, verset 75. Il dit nous, Pierre, après que le finit Jésus-Christ, trois fois le coq chante. Il dit nous, Pierre pleurait amèrement pour ce péché. Leur péché, si toutefois on a conscience, ou pas qu'à dire qu'on pas attristé, ou pas stressé. Soit arrivé dans un moment péché, en rien pas dit ou, bon, ça, on met d'où livré à Satan. Alors, leur péché, ou stressé, ou rend, ça rend nous triste, ou vingons l'autre attitude. Il dit nous, Pierre, lui pleurait amèrement. Le fait que tu péché. Regardez le cas d'Élie, dans 1 Samuel 3, verset 4 à 8, nous dit péché rend nous illucide en même temps. Le cas d'Élie, Élie, malgré un homme qui a eu contact direct avec bon Dieu, après si tu rentres, si tu retires,
qui c'est un péché devant l'Éternel, l'op si tire petit tout qui pas bon et puis l'op si tire l'op tolérer l'op pas fouetter ou pas recommander lui. Mais c'est ça qui est passé Eli. Mais Eli vient perdre toute illucidité. Même là la voix de Dieu relé Samuel que un homme qui t'a doit reconnaître tout de suite, c'est bon Dieu que le Samuel. Samuel à côté il dit mais est-ce qu'on relé? C'est jusqu'à troisième fois Eli vient comprendre que c'est l'Éternel qui relé Samuel, qui t'a besoin que bah Samuel un message important pour le cas d'Eli. Voilà, leur péché non seulement conscience ou pas en paix, non seulement au stressé et pour perdre toute lumière que vous avez dû gagner, ou perdre toute illucidité. Et raison de plus, mes chers amis, pour éviter le péché. Et deuxièmement, péché, il servit d'obstacle à nos prières. Nous dit péché, il fait obstacle à nos prières. L'ennemi dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, qui ça le dit? Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Tant que Jean est ici, tu es capable de leur violer la loi, leur transgresser la loi, ils ont le crime. Ah, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre. Et c'est péché nous qui cachait la face de Dieu. C'est-à-dire, leur péché, leur vivre dans le péché, bon Dieu, pas répondre prière. Et c'est ça que nous venons dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Et deuxième obstacle que nous joignons encore, c'est dans Jean 9, verset 31. Bien que c'est l'an de lui, mais c'est pour là que nous sommes dans Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Contexte, c'était un homme aveugle né qui te joint guérison. Et puis, monsieur a critiqué pour y aurait Jésus-Christ, un pécheur. Et monsieur fait allusion avec monsieur pour dire, il y a même lumière passée derrière pour dire, mais bon Dieu pas exaucé prière pécheur. Si monsieur son pécheur, comment le fait guérir? Et tant d'être moi là, personne n'a pas fait rien pour moi. Mais lui-même, il vient guérir. Ça a montré que il y a une relation étroite avec bon Dieu. Bon Dieu répond prière à monde qui ont une relation étroite à lui-même. Mais ce n'est pas monde qui vivent dans le péché. Et Psaume 66, verset 18, il dit David encore, répétez-le pour le dire, si bon Dieu exauce, c'est parce qu'il n'a pas donné péché. C'est parce qu'il n'a pas imputé iniquité mieux. C'est ça qui fait que il exauce prière. Voilà, mes chers amis, souvent besoin bon Dieu répondre leur prière à chaque fois qu'on besoin pour le capable tendre et fait pour ça qu'on voulait faut éviter le péché. Et en troisième lieu, ça qui a crasé en pile dans nous de nos jours, c'est Noël, pasteur a fait une lecture de une lettre, peut-être certainement c'est un monde peut-être qui a servi mais qui n'ont alliance ou bien qui possédait l'un péché, ben nous vins susceptibles. Nous venons qu'à entrer dans alliance maléfique et diabolique. Mauvais esprit dans les rues, il y a une chance pour capable entrer dans nous, pour posséder nous et pour agir dans nous-mêmes. Alors, il y a deux bagailles différentes. Alors, c'est deux bagailles différentes entre une alliance avec une possession diabolique. Alors, on a parlé dans la démonologie, c'est là où on a étudié les démons. Comment les démons entrent sous le monde et font le monde faire tintin et faire ravage. Alors, yon alliance avec yon possession, c'est deux bagages différents. Yon moun qui fait converti ou bien yon moun qui l'église, li possible que li ka entre dans alliance maléfique ou bien diabolique suivant action parent, grand-parent, arrière-arrière grand-parent te fait capable toujours marcher derrière pour persécuter. Alors posséder yon chrétien qui tombé dans le péché. Ça ne veut pas dire que les cas possédés par mauvais esprit, mais il y a un monde qui a pratiqué le péché dans l'église, qui n'a jamais repenti. Oui, Satan qui a pris fait possession la Kaeli. Et les Satan prend fait possession la Kaeli, Satan utilise moun sa pour le travail. Ou bien démon utilise moun sa, on dit mauvais esprit. Parce que on s'est eu de mauvais esprit, on s'est eu des anges déchus qui étaient dans le ciel, et puis bon Dieu voyait sur la terre, ils étaient dans l'air. La démonologie explique nous, anges déchus, ça, yon mauvais esprit, ça, yon pas senti yon à l'aise, là yon dans l'air pour contre yon. Yon senti yon pi à l'aise, là yon entraîne
dans un monde et puis il a fonctionné. Il prend yeux monde pour yo capable voir, il prend bouche monde pour yo parler et oreille monde pour yo tendre. Ou capable comprendre c'est intel qui campé là et pourtant son esprit dans lui cap travaille, cap agit, cap fait tout ça qu'il doit faire parce que monde li possède, li possédé. Et là monde arrivé non niveau pareil, c'est dernier niveau, c'est fort et difficile pour un monde comme ça li joindre délivrance li. Li joindre délibération, li c'est en bas en pile prière et jeûne. Ça dit son monde, cet esprit bon Dieu écarté. C'est pas attristé seulement le faire cet esprit bon Dieu attristé, non. Faut nous faire une différence entre un monde attristé le cet esprit de Dieu avec le cet esprit bon Dieu pas dans la vie en monde du tout. Ou rien doit pécher chrétien, rien doit tomber dans le péché. Il a attristé le cet esprit de Dieu, mais cet esprit bon Dieu pas écarté pour autant. Mais le monde dans le cet esprit bon Dieu écarté, c'est là où vivre et demeurer dans le péché ou pas jamais repentir ou pas jamais convertir. Qu'on y a cet esprit bon Dieu pas une place dans où encore. Et immédiatement que cet esprit bon Dieu pas une place dans où, qu'on y a où vient livrer avec Satan. Comme le cas de Saül qui te vient livrer avec Satan, lorsque le Saint-Esprit de Dieu sortit dans Saül, qu'on y a eu un grand esprit qu'on y a qui entrait dans Saül. Et c'est la raison que ça te fait David te vient entrer dans le royaume là pour te venir jouer musique pour monsieur tellement le Saint-Esprit a venu prendre lui pour être capable de sentir que lui feel better. Alors, c'est deux bagages différents. Alors que yon alliance nous dit, c'est une entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties qui engagent yon chaque à accomplir des obligations spécifiées. Yon contrat légal qui lie juridiquement deux parties. Yon contrat légal qui lie juridiquement deux parties. Ou bien yon pacte conclu avec un engagement réciproque. Chaque monde fait une promesse. Ça fait dire yon mariage, son alliance que lié. Et deux partenaires la donné, yon chaque fait l'autre promesse pour yon pas jamais quitter yon, ni dans bon, ni dans mauvais, ni dans mauvais temps. C'est yon alliance que ça y est. Yon dit yon alliance diabolique ou bien maléfique, li capable faire de façon volontaire ou bien involontaire. On a combien de types d'alliances? Un type d'alliance qui gagne, une alliance entre Dieu avec homme. Donc pas qu'il t'a répété tout, mais capable lui par exemple, bon Dieu fait alliance avec Abraham, c'est une alliance pour dire que ma foi vient une grande nation et de génération en génération m'a béni d'après Genèse 17 verset 6 à 8. Et nous on tout une alliance entre homme et entre homme et homme, c'est-à-dire c'est Ruth et Naomi. Ruth et Naomi ils font alliance et vous dit avec Naomi moi pas jamais quitter quel que soit côté hier c'est la maille pays où va pays Dieu va Dieu. Et alliance tout est faite en David avec Jonathan. Ça fait fois dernière Dieu parce que Josué était prêché sur ça, mais Mephibosheth à cause de l'alliance que David a fait avec Jonathan obligé à chercher pitié est-ce que Jonathan pas gagne l'autre petit monde toujours pour capable faire bien avec eux parce qu'il te font alliance avec eux. Une alliance qui était faite entre les enfants d'Israël et les Gabaonites. Dans Jean 9 verset 15, Josué 9 verset 15 à 16, on font expliquer tout petit alliance ça que Josué te fait avec les Gabaonites, les enfants d'Israël. Après ils ont fini traverser Jéricho, ils ont fini prendre le pays Haï qui était grand affaire de 7000 habitants la dernière, dès que ils ont pris défaite devant Haï par rapport avec Akan qui était péché. Là ils ont fini prendre victoire toute l'autre zone environnante là, ils ont vienne peur le peuple Israël qui t'a marché prendre pays et là ont fait la guerre avec eux gagne victoire. Mais qu'il y a les gens de Gabaon, les Gabaonites apprennent ça, ça yo fait malgré yo té en zone tout près avec Jéricho, yo prend pas yo sorti bien loin. En façon pour Josué capable faire alliance ensemble avec yo. Comment ça yo fait? Yo fait technique là, yo mettez vieux rad de chirer sou yo, vieux sapate dans pied yo. Yo marche avec pain qui montre qui sèche, avec yo gen longtemps que yo dans la rue, pain yo sèche, yo et ti mosso que yo est et puis après ça yo présenté devant Josué. Mais Gabaonites, c'est mon autre nation que yo est côté bon Dieu pas ta vle que peuple Israël là fait alliance ou bien marié avec mon autre nation yo. Sans Josué pas consulter l'Éternel, là il fait alliance à monsieur yo quoi dans ça que yo dit et puis yo fait l'alliance Gabaonites avec Israël que puis devant yo vinn payer conséquence de alliance ça que yo te fait avec Gabaonites. Gen alliance en même temps entre le diable et l'homme. Et alliance ça, il provient de nos actions. Et celle de nos parents, nos grands-parents, qui t'a servi loi, ou bien qui t'a servi de l'eau, ou bien qui t'a adoré forêt, qui t'a adoré montagne, idole, ou bien qui t'a fait consultation, ou bien invocation des esprits, des morts, des génies, polygamie, prostitution. Et ça fait un pile fois qu'on voit, il y a des gens qui sont dans polygamie. Polygamie, c'est de monsieur, nèg qui n'a pas arrêté avec une seule fille. Ou bien en Nigeria, tout, pays ça, il y a d'accord que yon nèg doit marier à combien de filles que le veut, depuis le capable d'occuper. Et il y a la prostitution, il y a pile de monde qui est dans la prostitution.
prostitution, c'est pour un bagage qui fait de lui-même. Des fois, c'est mauvais esprit dans la famille qui entre dans lui, que les parents ont fait alliance ensemble avec lui, qui fait que lui entre dans la prostitution. Des fois, ce n'est pas monde personnellement qui entre la donne, mais c'est esprit qui est dans lui. Vagabondage sexuel, monde qui n'est pas jamais satisfait sexuellement. Vous comprenez, c'est de monde qui fait alliance avec Satan le diable. En pile dans monde, malgré qu'il est né de nouveau, comme chrétien, il souffre à cause de. Il y a un chrétien qui était marié avec un monde qui n'est pas né chrétien. Mais dans la rencontre, il est venu converti. Dame ça qui converti, mais c'est une dame qui était toujours persécutée par loi dans la famille. Les chrétiens viennent marier avec dame, non? Malgré l'esprit qui n'est lié, pas qu'à posséder nom, non? Mais elle fait souffrir en pile. Mais c'est une tête fait mal qui n'a jamais été en migraine. Quel que soit quel docteur aller, il n'y a pas jamais une solution pour migraine. Tête fait mal, il n'y a pas jamais été. Et le pasteur Grégory a expliqué dans le livre qu'il était Jézabel mise à nu. C'est non prière de délivrance, c'est non venir et le Saint-Esprit de Dieu remarqué persécution qui est non. Et c'est dans prière de délivrance, ça, il a chassé l'esprit qui est dans madame Missier et puis séparer la de Missier, qu'on s'appelle capable de libérer et dès lors, il n'y a pas jamais senti tête fait mal encore. Mais chers amis, Satan mauvais. Et en pile esprit dans l'air, c'est chercher moun pour y rentrer. Voilà qui kao ou même qui vivent dans le péché, c'est-à-dire ou vin livré avec eux-mêmes. À n'importe qui moment donné, yo ka rentré. Et d'expliquer l'histoire, c'est un témoignage, ça de un homme, la Tibonite, qui t'a planté du ril. Un ennemi t'a cherché pour tuer. Mais yo pas capable de joindre ni. Ou quand ça, ou grandil, souffert, misier, fâché, seulement. M'apprenne. Cherchons aux gens, font stratégie, fais-le fâcher, fais-le en colère, et puis je vais apprendre pour vous. Mais si c'est comme ça, je ne vais pas tuer. Et nous avons vraiment joué une stratégie, ça le fait, prend un gros bœuf, la gueule dans le jardin du riz, nous avons gagné. Et puis pour le camper, pour le réaction, monsieur, comment il va réagir? Nous avons voulu. Le monde faut perdre du travail. Travail là, qui tape pour subvenir aux besoins de votre famille. Qui pour payer bill caillou, ou mortgage ou bien rente. Et puis, ou connaît, c'est un tel même qui faut faire du travail là. What will be your reaction? Comment on peut réagir face avec une telle situation? Et même côté à mes chers amis, non, au lieu de fâcher, de mettre à genoux la terre, de demander mon Dieu pardon pour homme ça. Et même non, ça qui t'a cherché pour te tuer, non, à par rapport avec action ça. Que le serviteur mon Dieu a proposé, il vient converti et c'est lui qui a témoigné qui action qu'il a voulu faire pour mon Dieu. Mais chers amis, l'ennemi péché, Satan a une possibilité pour entrer dans nous. Et quel que soit péché, il n'est pas seulement adultère ou bien vol, même mensonge que nous avons là. Menti que nous avons là, qui n'est pas œuvre de Dieu que lié, Satan est capable d'entrer dans nous, l'ennemi commettre ce genre d'action. Ça et ça fait qu'il n'est pas bon pour chrétiens à vivre dans le péché. Yo dit nous que rempli le monde qui entre dans alliance maléfique par invocation de un mort par culte ou bien qu'on entend des monde qui fait fête messe en Haïti même l'entend des monde dans les chrétiens dans l'église et pourtant des maman te mouri combien de temps déjà et puis il va faire fête il va faire la messe amen yo dit monde qu'on entre en alliance par rapport avec ça involontairement par ou bien monde qui a porté habit de deuil. On moun que maman ou bien papa le témoin ou tande la pote noir, la pote deuil pour maman. Chrétien pas nan pote deuil. Bagay culturel ça, bagay traditionnel ça, ou ban nou yo, li pas pour nous comme moun l'église, comme moun de Jésus-Christ. Pas qu'à n'importe bagay que ban nou, tande faut pote deuil. Pour qui ça? Pour qui raison? Tande faut faire 6 mois, moun n'a pas droit mettre bagay rouge, li pas droit mettre bagay jaune, c'est bagay noir, blanc, crème, etc. Esclaves, nous pas esclaves hein? Encore. À pile des fois, il y a des gens qui entrent en alliance en portant un habit d'œil. La démonologie explique. Nous disons tout, on peut entrer en alliance involontairement en faisant des révérences devant les photos de mort. Moun ki gen moun ki mouri déjà et puis on photo yo toujours a adoré ou bien crier dans pied ou bien par contre ça fait faire révérence avec lui même ça qu'a fait le mauvais esprit entrer sous et depuis là gen photo dans kay la mouri gen de ma ou madame
j'étais au milieu dehors, pas besoin image mort la caillou encore en faisant des références devant les photos de mort. Et ça n'a dit yo, yo très important mes chers amis, quand pile des fois nous fait négligence avec yo a fait ça nous mon a fait et puis yo gain des conséquences graves, même là ne pas mourir là ou même là ne doit sauver mais ne doit gain des conséquences graves que n'a pas doit gon maladie ne pas jamais ca guérir. Pour ça, parce que gain une alliance que nous fait involontairement avec les mauvais esprits, avec les démons sans que nous pas connaître. Par incision corporelle, moun ka fait tatou ou bien image que y a metté dans corps yo comme tatou, des fois ça rale mauvais esprits sou yo. Ça aide à faire une alliance involontairement sans que yo pas maintenant tête yo si ça la rive. Moun ka metton bagay en dans cercueil les moi yo mouri, soit metton bagay dans cercueil là pour moun ala avec lui. Ah ben ça rale attirer mauvais esprits sous moun. Moun ki pas laver main yo après cimetière dans des bon de l'eau, faut que son fait spécial qui pour laver moun là. Mes amis, sou pral dans cimetière besoin laver main, marcher avec ti hand sanitizer ou pour ou mais pas n'importe de l'eau qui vête quand tu mets on fait fétiche le ça fétichisme pour capable laver mon l'eau sorti dans cimetière dans des rêves. Il y a monde qui entre en alliance avec Satan le diable dans les rêves. Dans les rêves c'est manger avec les morts ou évoquer manger avec morts, ça c'est des rêves l'eau fin fait yo ou tu dois entrer en pile dans la prière, nager dans de l'eau ou évoquer ou nager dans de l'eau ou bien servir moun go ba même connait ou ap jouer avec couleuvre dans dormi ou marié dans un monde surnaturel sans ou ap marié ou bien gen ti moun sans ko ou gen ti moun dans rêve là sans ko pa gen ti moun dans vrai naturel. Ça c'est des rêves que chrétien l'elle fin fait ou que ta dwe descendre dans la prière en pile ou bien ou gen rapport sexuel dans dormi avec même moun go pa konnen. Mais bagay sa yo yo attiré mauvais esprit dans la vie moun même l'on dans l'église là. Ça qui arrive est fait. Rapport, moun ka pote vêtement, l'autre moun qui lié dans l'alliance. On a des grands piles, mesdames, qui prêtent les rades dans les moun, fait attention. On pas mettre les rades à tout le monde. En pile, la foi de négligence, nous payons ça. Si vous avez des moun qui te font alliance satanique, qui mettent les rades, ou elle mettent les rades sous l'eau, ou attirer mauvais esprit ça dans la vie. Pas fait ça encore. Si c'est moun qui connaît, c'est soeur, ok, mais si c'est amis, ou pas qu'on a qui sa famille moun nan te trouvel pour que t'as toile avec moun nan ou prêter rad nan men bal rad etc. Yo dit mauvais esprit bagay chétif entre sous moun à cause moun kap mete rad avec l'autre moun qui lié non alliance qu'on pas connaît et moun nan doit lié non alliance li pas même connaît. Quand nous dit ça alliance qu'on fait involontairement par rapport avec sa parent et grand-parent te qu'on fait dans le passé. Prière qui fait sous l'effet de la fatigue ou du sommeil. Moun ki met à genoux a prier puis pendant y a dormi a prier des fois qu'on a fait ou qu'on a râlé m'a dit chance sous tête ou a dit de bagarre qu'on pas la doit dit. Ah mais yo dit mauvais esprit gen chance pour entrer sous moun sa yo dans la démonologie. Les prières répétées après un faux serviteur de Dieu. Ouais sinon l'on côté ou même quel que soit le là. Si on serviteur a demandé de nous répéter en prière, nous pas contre moun nan pas répéter. Ni quel que soit prière moun n'a répété, dou répéter quel dou désobéissant pas un problème. Pas répéter sous conseil serviteur de Dieu, conseil son serviteur de Dieu, il est très bien. Mais afin moun n'a vinn là dou c'est pas tel, m'a pral faire telle prière répéter après. Pas prend chance répéter bagay moun a dit parce que ça gen piège la dedans. Moun ki gen relation sexuelle avec yon personne qui lié déjà non alliance. Le péché d'adultère. Et ça fait que la Bible dit deux âmes divinent avec un seul chair. En pile mauvais esprit entre sous monde comme ça. Ça fait lui pas jamais un bon bagaille ni pour fille ni pour garçon pour appeler faire relation sexuelle avec l'autre monde. Parce que dès que nous nous voilà et puis lié nos alliances et immédiatement que lié nos alliances ou coucher avec lui, ah ben mauvais esprit sous lui entre dans tout. Moun nan te gen bagay mystique li, soit li te mason loge, ou bien li te gen maman qui t'a servi loi, etc. Qui nan li ke le possède. Mais kao, ou même kal nan relation sexuelle avec moun sa tout, bagay ki sou li a tout traversé ou en même temps. Et ça fait que le pa bon, pou moun al marié a moun ou pa konnen. Parce que en pile de fois al marié a moun ou pa konnen, moun nan persécuté dans la famille, mais persécution passe à ou même tout. Et en pile fois tout, moun ki pral faire relation ou bien garçon pour montrer que yo jeune j'a marché
car ces gens mon gens au dans le monde là avec mais où mais pas mauvais esprit avant c'est pas pour ça raison qu'on a quelque nèg qui pas jambe ou bien quelque fille qui pas jambe satisfait sexuellement et pas parce qu'on dans lit pas penser parce qu'au jeune garçon ou bien un vivant non posez tête question priez mon Dieu c'est une relation que tu as avec un monde qui t'est possédé avec esprit ça dans où c'est ça te faut pas jambe satisfait sexuellement chaque jour ou pas jambe rivé satisfait fatigue ou pas amen c'est monde ça yo fait alliance maléfique alliance diabolique parce que yo t'al dans relation avec un monde qui t'est une alliance dans le passé soit famille de la dani ou bien monde ça baille tête li avec Satan le diable ou même on pense monde ça avec l'église ou elle habillé bien propre et pourtant son diable que lié et pas dans monde dans diable là ou en relation avec lui amen diable en traverse autour parce qu'on va protéger puis on a relation avec on va protéger mais une fois qu'on va protéger l'esprit bon Dieu déjà va là ça dit mauvais esprit dans lien qu'à traverser facilement et c'est une des bagailles les mauvais esprits besoin yon moun c'est une stratégie Satan utilisé voyez fille devant ou bien garçon devant et depuis loin très dans relation avec lui elle facile pour Satan prendre bon peut-être si on te connait faire soit moun qui peut te marier ou marié déjà etc. Et on te fait, chers amis, li bon pour intérêt pour pas seulement péché, empêcher moun sauver, mais péché fait nous souffrir sur la terre. Et on dit même les péchés, dernier point que nous prendre, même les péchés à pardonner, nous payer conséquences là quand même avant que nous mourir. Raison de plus que pour nous capable éviter péché, si nous qu'on a pratiqué pour nous suspendre vivre la donne et comme ça remettre bon Dieu la vie tout bon. L'alliance qui cachait, y a un monde qui a peur de masturber. Il y a un monde qui a fait masturbation. Alors pour monde qui veut comprendre, fille qui a satisfait propre tête li et garçon qui a satisfait propre tête li, sont affaires mauvais esprit à attirer sur vous-même. C'est non seulement son péché et puis ça capable faire ou faire alliance satanique sans pas jamais me connaît. Monde qui toujours des soucis, monde ça pas jamais content, toujours mauvais. T'as coup Jean parce que ça t'explique dans lettre dans là, fille a dit Marie qu'on y a un orgueil extrême. Son moun qui déjà font alliance qu'elle pas connaît. Peut-être là le coucher avec un moun qui n'est lié non alliance et puis esprit a qu'à traverser lui en même temps sans le pas rendre compte ça ne doit pas connaît. Sans pile prière qui pour délivrer yon moun ça. Yon moun qui toujours attristé. Il est toujours dans Dieu, il pas en compte, mandé ça quelqu'un il pas connaît. Avec moun ça c'est moun qui t'a doué prier en pile, toujours en dépression, la peur tout le temps. Opposition à la prière, les prier son problème pour lui tête fait mal. Il pas il y a problème avec la prière, avec méditation, les prêcher, il pas attendre de message, il pas qu'à dans l'orange. Mais moun sa yo c'est de moun qui susceptible à mauvais esprit et qui a fait alliance. Le moun sa a besoin en pile prière. Un moun qui toujours attend des voix étrangères qui parler dans oreille. Ou bien un moun qui gagne un moun qui toujours indisposé comme ça, il est comme ça le feinte, il passé. Ah, il faut prier en pile. Seul pas comme ça le gagne. Juste pendant quelques secondes, mais moun sa li indisposé, son moun qui faut li prier en pile, li capable gagner des mauvais esprits qui a persécuté, qui a passé sous lui. En pile des fois nous prend bagaille, nous fait négligence avec yo, mais nous besoin en pile prier la dani. Yo dit un moun qui gagne l'instabilité émotionnelle forte par un besoin sexuel fréquent. Tant que j'en dis à chaque jour. Pas jamais refuser. Amen, ça c'est un monde qui doit prier, entrer dans jeune en pile, qui doit avoir une alliance cachée que le pas connaît, soit parent ou bien grand-parent te signé de contrat et puis Satan joint une possibilité entrer là-dedans et puis faire la souffrir pour jusqu'à présent. Mesdames yo, en pile des fois ouais cap chercher égalité avec garçon, c'est bon bah simple que lié. Mesdames, fit pas respecter Mario. Toujours apprenant jouer Mario ou bien qui pas attendre Mario dans rien, etc. C'est de monde que Satan a utilisé, qui fait alliance cachée que vous ne connaissez pas. Échec financier constant, malgré l'argent rentré, et vous ne pouvez pas faire ça l'argent fait pour moi. Quand vous entrez, et bien rien pas fait. Et mon mari qui fait facile comme ça pour prendre à la légère, il faut prier en pile sous lui. Ou on va payer des dépenses et puis bagaille qui est important on va pas régler et puis l'argent va passer comme ça ça c'est deux bagailles que monde a besoin entrer dans jeûne et dans la prière mauvais esprit d'ailleurs qu'a font alliance cachée même là pas où tes sienne mais maman ou papa ou grand-parent te la donne et puis Satan toujours à suivre vous malgré au travail ou fait l'argent
mais les mois fin passer vraiment des sofa le cobla ou pas ouais foyer qu'on divise des fois parce que cobla jeter dans bagaille qui pas sans sens et puis bagaille qui t'a doit réaliser en dans cas là pas réaliser et puis ou même ou penser malgré toute gestion fois ou fait rien pas changer vous pensez son bagaille qui simple il pas simple mes chers amis Satan à l'œuvre vous besoin prendre en pile précaution pour ça mes chers amis voilà l'en péché non seulement nous toujours suspects pensez monza avec n'y a pas nous toujours stressés nous manquons lumière ah ben en même temps nous avons accès au diable mauvais esprit yo ka entrer ensemble avec nous dans quelque alliance que nous fait et puis péché en même temps lui empêcher que bon Dieu tendez prière nous et en dernier lieu mes chers amis n'a pas conséquence puisque l'aime déjà arrivé n'a pas seulement prend quelques exemples pour nous expliquer aux conséquences péché qu'a fait dans la vie nous t'ai lu dans Jean 9 verset 1 à 5 c'est pas oublier que nous oublier lecture là mais nous t'ai fait pour dernier point ça conséquence là nous voyons que yon guérison que yon Jésus-Christ ensemble avec disciples yo et puis pendant que y a passé yo voyons un homme aveugle de naissance nous n'a fait tout comme ça. Question disciple posée avec Jésus-Christ. Est-ce que, maître, est-ce que c'est péché, non, ou bien péché parent qui rend ni comme ça? Sa disciple dit, et pour moi, sinon, le logique, péché parent avec péché qu'on fait, car rend nous malade. Mais, t'as des réponses, Jésus-Christ. Dans le cas spécial, ça, c'est pas ça qui fait ça. Mais c'est pour nous, bon Dieu, capable de glorifier. Mais Jésus-Christ n'a pas écarté possibilité vraiment que c'est un péché, un homme qui est capable de mettre dans la situation. Mais dans le cas spécial, Jésus-Christ dit non, ce n'est pas ça vrai qui fait un homme à souffrir. Et nous parlons dans Jean 5, verset 14. Nous parlons plus clair. Le Jésus-Christ, le fin guéri, un homme qu'il prend, il prend nappe, il marche dans le jour de sabbat. Amen. Il y a cherché pour qu'on ait qui est ce qui guérit nous dans un jour ça. Il y a pas qu'à venir demander nég la nég pas même connaît. Et puis après un certain temps, Jésus-Christ rencontre avec nous dans lui dit dans Jean 5 verset 14, il dit depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça dit péché qu'a fait maladie vraiment tomber sur nous qu'a même paralysé en même temps et dans la lecture là on a fait cette scène que pasteur a lu dans un Corinthien chaque jour il dit qu'a pile infime dans mitan nous à cause de monde qu'a prend breuvage ça ou bien pain ça indignement. Oui, péché qu'a fait malade, péché qu'a fait souffrir, péché qu'a fait paralysé, il qu'a voyer jeter. C'est raison de plus, mes chers amis, pour nous éviter le péché. Non seulement pour le cas de David. Le cas de David, David, malgré bon Dieu, dit lui joindre dans lui un homme selon quel. Mais ça n'a pas empêché David de payer les conséquences péché. Après l'enfant que David a avec Bathsheba, David lamentait au pied de Dieu. Mandé le pardon. Bon Dieu pardonne, mais il dit petit la mourir quand même. David pas manger. David fait jeûne, crier dans pied l'Éternel pour voir si mon Dieu a sauvé Pilate, hein? Pilate là mourit. Et c'est là le mourit, David mandé manger et serviteur même étonné pour dire bon, là Pilate là pas qu'on mourit ou pas. Et puis Kounial mourit, c'est là ça mandé manger, mais c'est dit normal parce que là pas qu'on mourit, moi t'a lamenté dans pied bon Dieu pour voir s'il t'a fait grâce. Elle fin mourit déjà. Pas qu'à faire encore qu'on y a femme de manger pour manger. David paye conséquences quand même. Non seulement il s'est payé conséquences petite ça oui. Ou va loin dans le royaume David, Jean divisé. Ou va loin le propre fils de David, là il fait cas de Jacques sous Tamar, petite fille David encore. Et ou loin même Absalom, le premier fils de David, pral tuer monsieur parce que l'ital fait cas de Jacques sous seul et Absalom parti pour la fuite. Et allez Absalom retourner, qui est-ce qui prend le bail David coup d'état encore? C'est propre petit David qui prend le coup d'état. Et pas des conséquences péché David, David payé pour ça qu'il t'a fait devant mon Dieu. Quel que soit son fait avant mourir, même les bons Dieu pardonne péché a ou a payé le camp quand même. Ou a pas les petites moun mal. Ah ben sous une petite a gain de bagaille que petite ou a fait pour faire moun pas le mal. Ou pas vle ou un moun, mais gon moment rive, ou a fait moun perdre job, gon moment rive, y a fort perdre job tout.
Même les bon Dieu pardonné péché ou lamenté devant lui pardonne, ou a payé conséquence dans quand? Raison de plus pour nous éviter péché. Si vous ne voulez pas payer de conséquences graves, pas péché. Parce que pour péché, même les bon Dieu pardonné ou a payé conséquence là. Et quel que soit le type de péché, hein? Qu'elle te menti, qu'elle te adulte, parce que l'église qu'on de péché, c'est adulte avec vol. Et vol là, il n'y a pas presque fait, mais comme c'est adulte à qui est courant dans l'église, mais vol là, pas presque fait, mais malgré rien. Mais l'autre, mon n'y a pas menti, j'en l'ai. On paye conséquence mensonge quand même. Et que de mensonge, mon n'y a pas dit pas criminel, mais on menti, vous faites son monde, c'est tout, il y a ou perdu, ou terni personnalité, mon ça. Fait mon ça pas dans la société encore. C'est comme si tu tuais. Ou bien, on menti sous l'eau, fait perdre du travail. Des fois, il y a des gens qui tuent la tête, ils ont perdu du travail. Ils sont des gens qui te font perdre du travail. Ils sont criminels, ils ont ça. Mais quel que soit sort fait, mes chers amis, ou bien pour payer les conséquences quand même. Je veux dire, mes chers amis, péché rend nous stressés, il rend nous suspects. Péché tout servit d'embûche à nos prières, de barricades. Enfin, empêcher que bon Dieu t'en prière, nous. Péché rend nous accessibles aux esprits. Et faire alliance diabolique à mes péchés qui te cicatrice dans la vie nous. À mes seule solution que nous gagnons mes chers amis, pas retourner dans le péché encore. Ah, ça permet à l'ennemi pour gagner accès à nous-mêmes, les nourriter, demeurer dans le péché. Chrétien qui a tombé dans le péché, mais chrétien pas demeuré dans le péché. C'est deux bagages différents. Pas de monde qui sait, pas de monde qui parfait, pas de monde qui pas péché. Tout le monde péché. Mais gagnons comportement. En façon qu'on doit réagir leur tomber ou pas de rester là-dedans. On doit faire effort pour lever, pour ne pas continuer dans l'état encore. Éviter péché sous toute forme, ni visible ou invisible. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Toujours lire la Bible et croyez dans ce que mon Dieu dit. Gagnez une très grande intimité avec Jésus et fréquentez les frères et sœurs afin d'apprendre un peu plus d'amour. Pour être capable de gagner l'amour l'un pour l'autre. Parce qu'il va prendre nos bénédictions et Michel, les plus grandes, il y a plus d'importance que bénédictions individuelles. Lorsqu'on a prié ensemble, nous bénis, ça libère en pile que si on va faire individuellement. Alors, mes chers amis, c'est important pour nous capable de gagner bénédiction collective. Pour nous, on remet frein avec seul. Parce que ça, c'est péché que les gens n'ont pas parlé l'autre monde mal, médisance, les gens n'ont pas parlé pour le monde. Tout, nous dit tout le temps 10 000 livres terre à tomber sur l'estomac. Nous n'avons pas donné, nous n'avons pas pardonné le monde tel. Amen. L'orgueil ni son péché que lié. Amen. Ou bien pour payer conséquences là avant mourir. Et si vous ne payez pas, même pour petit tout qu'à payer. Et si vous ne payez pas, même pour petit tout qu'à payer. Et bagaille, ça a été passé avec Akaboui. L'elle volé jardin à Bovlan. Amen. Malgré monsieur lamenté devant mon Dieu, mon Dieu pardonne, c'est vrai. Mais il dit pour petit monsieur. Payer ça qu'on a fait. C'est pour nous jeûner et prier. Toujours être dans le jeûne et prière. Le jeûne et la prière, ils rendent chrétiens moins charnels. Vous ne pouvez pas remarquer ça te fait un pile chrétien de nos jours charnel. Parce qu'ils seulement viennent l'église les dimanches matin. Tête 7. Ça te fait moins charnel, c'est jeûne avec prière, étude biblique. Viennent l'église dimanche matin seulement. Ça sont bagailles. Comment on peut dire ça? Protocole. Mettez belle radio. Bon, même si les âmes mettent des belles costumes. Bon, qui aime mettre costume encore? C'est les gens qui marient, les gens qui sont fois par année. Bon, d'ailleurs, les gens qui marient, ils ne sont pas même tout. C'est-à-dire, les gens qui laissent mettre des belles sur les protocoles liés. Mais l'église, dimanche, pas fait les gens spirituels. Il faut arrêter dans la prière constante. Parce que Satan est mauvais de nos jours. Jeune prière, rendre chrétien, les moins chanel. Il faut tuer chair là. Plus ou mourir dans chair, c'est plus ou grandir spirituellement. Je dis, je fais mathématiques là, je dis, jeune plus prière, il approche chrétien de bon Dieu. Jeûne plus prière d'y approcher chrétien bon Dieu. À chaque jour de jeûne, plus louange, plus adoration, plus prière et plus la parole, li boyon plus spirituel qui ajouté dans la vie chaque jour. On va répéter ça encore. Chaque jour de jeûne, ou plus li avec louange, ou plus li avec adoration, ou plus li avec prière, ou plus li avec la parole qui c'est étude biblique, li boyon plus spirituel. Li ajouter dans la vie chrétienne yon plus spirituel chaque jour. Rends-nous utile dans la maison de Dieu, pas venir comme des spectateurs, des observateurs. Chercher l'intimité avec Jésus, le servir fidèlement. Soit servir mon Dieu, servir tout bon. Parce que Satan est mauvais. Témoigner Jésus aux autres,
Voilà la solution, mes chers amis, pour nous capables de gagner une victoire devant mauvais esprit ça qui est dans l'air, qui cherche à côté pour y entrer. Et tout le temps, on va entrer dans le monde, on ne pas sentir à l'aise. Là, on finit d'entrer, on fait siège, la caillou, le siège social, on était. Moi, j'ai un pile jeune à prier qui pour dénoncer, qui pour mettre dehors la caillou. Et c'est une raison, là, on prie, toujours demander bon Dieu pour le chasser dans la vie où toute mauvaise alliance que parents ont et grands-parents ont fait dans le passé. Qu'on y a ces petits ou mieux pas qui t'ont rien fait obstacle dans la vie. Mandez mon Dieu ça tout. Dans la prière, mandez mon Dieu que quel que soit contrat que parents m'ont signé dans le passé, ni grands-parents m'ont signé dans le passé, mais qu'on y a moi-même ces petits ou, ma grand y a revoir avec eux. Chassez-vous dans la vie au nom de Jésus. Et avec ça, vous êtes capable de libérer. Mais c'est bien quelques pratiques que vous toujours faire yo. Mais esprit ça, vous avez une chance pour entrer dans vous, pour vous posséder, faire alliance ensemble avec vous. Mais vous avez souffri. Ou qu'a bon Dieu qu'a pardonné péché, c'est vrai, ou qu'a sauvé, mais amèrement, avec l'âme aux yeux. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Amen.